Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je suis très bien accompagné aujourd'hui. Bonjour, ça va ou quoi Jerk? Oui, ça va et toi? Bah écoute, moi tu m'as invité, j'ai reçu l'invitation cartonnée. Bah écoute, je suis là, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi, sachant qu'aujourd'hui c'est le premier épisode de la série que je voulais lancer. Et aujourd'hui ça sera un épisode spécial, j'ai coaché le blédard sur Rainbow Six. Ça fait plaisir. Donc je voulais voir avec toi, c'est une série un petit peu, comment dire, éducative. T'as un bon niveau, t'as déjà un petit niveau, mais t'as pas un niveau de pro, donc je voulais voir avec toi si c'était possible d'optimiser ton gameplay pour pouvoir aider les gens qui débutent entre guillemets, tu vois. Je suis chaud de night et je suis très réceptif, je suis quelqu'un d'ouvert. Ouvert dans quel sens du terme? Dans le sens du jeu quoi. Dans le sens du jeu, c'est dommage. Après, au pire, on en discutera après le après le règle, il n'y a pas de problème. Je voulais voir avec toi, c'est quoi ton type de jeu? On a 26 secondes pour le déterminer, t'es plutôt agressif, plutôt passif? Alors moi, j'aime bien temporiser. Ouais. Donc ça drone pas mal, des fois j'hésite parce que bon j'ai peur de me prendre une tête tu vois, des fois quand je connais pas trop la map. Donc là par exemple sur ce type de map j'aime bien prendre Buck, comme ça je casse quelques trucs, j'essaye de mettre un petit peu, tu sais les, comment dirais-je, les ennemis à mal quoi, en les faisant bouger un petit peu. Pas ton OP du coup, nice, ouais. Ok. Du coup Buck, je pense pas que ce soit forcément un bon choix au début pour toi sur Café, sachant que... Okay. Café, c'est une map compliquée, tu vois, où on travaille énormément sur la verticalité, donc ça demande quand même pas mal d'XP au niveau des trous, des rotas que tu vas faire, pas mal de choses. Peut-être un perso dans le même style de jeu, mais un peu plus simple à utiliser, un perso que tu utilises déjà instinctivement et que t'aimes beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui te vient en tête à tout hasard? Je dirais Ying. Ying, ou cette fois, pour le coup, tu vois, je pensais à Zofia. Ok, Zofia. Zofia, okay, par exemple, okay. Tu vois une H qui est un peu moins rapide que H, qui est un peu plus tanky. Ils sont en haut. Du coup, ça te permet quand même, tu sais, de prendre des lignes correctement de loin avec une bonne arme, une ACOG, de faire des petits trous, des petites flashs sympas. A few moments later. Du coup, par rapport à l'OP que t'as choisi, on va essayer de passer par piano. Ça marche. Faire des petits trous ou par la bibliothèque, travailler d'en dessous, faire de l'anti-roaming. Mais pour moi, ça va être dur, sachant que j'ai Ibana. Ok, je suis en train de droner au calme. Das war einfach. Effectivement, il y a Bandit. J'espère qu'il Bandit trick pas. Si, justement, il Bandit trick. Aïe. Ouais, mais si j'avais su, je me serais mis en rappel à la fenêtre avant, tu vois. Au pire, tu peux venir avec moi, il y en a deux dans le piano. Ouais, je te suis. Donc normalement, l'anti-roaming, il sera léger. Le roaming, il sera léger en bas. On peut essayer... Hop. Wow. J'ai eu un simple réflexe. On peut essayer... En haut. Ouais, il m'a chopé en haut. Ouais. D'en haut? Ouais, en haut. Oh la pute. C'est Jagger, en haut. Non, il est descendu, du coup. Je l'ai réflexe, mais j'ai pas réussi. Okay. Je l'ai mis en PLS. Oh, dur. Il est tombé. Non, je l'ai tué. Ouais, je l'ai tué aussi. Oh, ça le réflexionne. 1v3 du coup. Là pour le coup, tu vois, genre. Oh, la jolie décale du bandit. T'as vu? Tac, tac. Foiré. Ah, c'est dommage. Là, tu vois, pour le coup, on n'avait pas assez de stuff pour dégager tout ce qui était barbelé et tout. Et ça a trop temporisé. Ouais, exact. Je vais mettre plein de lésions en dessous de la trappe déjà. Ouais, donc tu vas jouer piano, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que Lésion du coup, c'est un personnage qui est pas forcément un personnage de roaming, c'est plus un personnage de proxy PP, donc il va rester pas trop loin tu vois, parce que c'est pas un 3 de vitesse non plus. Et pour le coup, instinctivement, t'as vraiment la bonne façon de le jouer, dans le sens où tu vas baliser ta zone de piège, et tu vas essayer d'aller réceptionner entre guillemets tu vois les ennemis dès qu'ils prennent le piège. Donc ça peut donner pas mal d'informations. Du coup moi, si tu veux bien juste me renforcer là s'il te plaît. Les deux murs. Du coup moi pour te porter assistance, comme tu vas jouer dans le piano juste à côté de moi, je vais aussi prendre une ligne sur le piano avec la mira. Comme ça on va jouer en tir croisé. Et normalement si tu gères bien ton lésion, j'ai plus de mur. Tu mourras pas. Tant pis, je vais le mettre moi. Parce que apparemment on peut pas compter sur les autres. Non. J'ai l'impression qu'on joue un peu seul. J'ai l'impression qu'on joue un peu seul. Après, comme dit, je le rappelle pour la vidéo, l'objectif ici c'est pas de gagner, c'est vraiment d'apporter quelque chose à quelqu'un. Ouais, c'est d'apprendre. Là pour le coup, Anas, et pour vous aussi, du coup. Si jamais ça vous a aidé, vous pouvez la. Moi je regarde souvent ces vidéos et sans déconner. Hein. Moi au début, je regardais beaucoup tes vidéos justement pour apprendre les bases des bases, tu vois. Et après, forcément, faut les appliquer donc faut beaucoup jouer, tu vois. Et genre, mais vraiment en toute objectivité, est-ce que ça t'a servi? Franchement, oui. Alors. Au premier coup, rien que pour choisir mes armes, tu sais, les suppresseurs, etc., les poignées. Ça sert énormément, c'est des petits détails en fait qui font la différence. Je suis content, ça fait plaisir. Ok, bon courage. Aïe. Fenêtre, H. La fenêtre du piano.
Ouais, pendant que je parlais, en fait, ça a droné au calme. Du coup, tu t'es exposé pour rien, au final, c'est dommage. Genre, t'as un coin vraiment super pour jouer. C'est là, juste là dans l'angle. Attends, je vais juste faire gaffe aux escaliers. Juste là dans l'angle. Tu vois, là, le coin pute. T'as une micro-ligne, là. T'as une micro-ligne. Et du coup, tu peux décaler, ça te permet de décaler aux fenêtres. Ah ouais. Bah ouais, franchement, là, pour le coup, ouais. Hop, moi je vais me remettre là-dedans. Du coup, j'ai pas posé une mira, mais j'ai pas le temps là. Tu vois, et moi j'avais tout setup là pour pouvoir t'aider à croiser. Ah ouais. C'est quoi toi? Faut la reset elle. Ah. Ouais. Oh la vache! Ah, ça a pris trap. Ça a pris lésion trap. Ouais, mais là je suis pas bien. Wouah! Non, top gauche. User joined your channel. Wesh! Wesh, d'un coup, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Ça va ou quoi, Shark, tranquille? Ouais, ça fait longtemps. T'entends de ouf, gros? Je regarde tes lives sur Sea of Six. Ah! À défaut de pouvoir y jouer. T'as fait des dons? Non. Ah, ok, bon. Chacun son oseille, frère. Bon. En fait, basiquement, faut vraiment faire gaffe à ton placement. Genre, surtout que t'as vu que les mecs ils jouaient super bien les ouais, fenêtres. Ouais. Donc, faut vraiment pas que tu montres ton cul facilement. Non. Ça a jamais été le cas. Faut pas baisser son choix comme ça, pas la première jamais, fois. Jamais. Je vais fermer là. Là, tu me conseilles de jouer où là? Ici, dans le piano ou dans la bibliothèque, si tu veux, ce que je peux faire, c'est que je peux te mettre une mira pour la bibliothèque. T'as des impacts ou pas? Ouais. Est-ce que tu pourrais en mettre deux là? Une pour ouvrir la mur. Il est à côté aussi? Ouais. Ok. Juste là aussi, ouais. Fermez la porte de la bibliothèque et du coup, ça te donne accès à tout. Tire dessus déjà. Moi je vais garder l'autre. Fais gaffe, l'attrape à drone. Ouais. Wouh! A few moments later. Ça essaye. C'est rentré, tu sais. En bas? Ouais, tranquille, ouais. Tranquille, garde. Moi je vais garder tes fenêtres de B. All, ok. Rappel sur BPB. Ça rappelle au top. Ça rappelle sur B encore. Normalement c'est ta zone de jeu hein. Ça m'a traversé. Rez-de-chaussée, laisse tomber. Grenade et tout, c'était Buck. Buck il est en bas. Ça va Yinger Max. J'ai pris lésion, il est rentré. Nickel. Wow! Rainbow Six, c'est comme on disait, c'est vachement punitif, mais après, si on apprend de ses erreurs, bah forcément, bah tu t'améliores, tu vois. Bah, par exemple, c'est là, cette partie, je me suis fait soulever, mais dans tous les sens du terme, mais ce qui veut. Ah, mais t'as vu comment? De où? C'est surtout ça, en ouais, fait. Ouais, voilà, de où? Et faut pas dire, ouais, oh, il a eu de la chance. Si tu dis ça, c'est mort, tu vois. Tu vas jamais t'améliorer. Ouais, genre, des fois, ça peut arriver, mais quand tu vois que tu te fais tarif sur toute la game, tu sais qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais. Faut changer ses déplacements. C'est ça. En vrai, s'ils sont deux escaliers blancs, 3 sur 6, je pense que tu peux remonter par là. Normalement, il devrait y avoir personne. En toute logique. Ok. Fais gaffe quand même, quoi. Bonjour. Non, mais lui, c'est tout. T'as vu? Il est arrivé en mode. Il courait, il t'a tiré dessus direct. Un truc de ouf. Ma pré-shot de malade. Ouais. Y'a rien là, pas de. Là, à partir de là, tu sais pas ce qu'il y a. Hein. Du coup, je vais temporiser, hein. Attends, je vais regarder, y'a rien. Y'en a un. Nice, il est mort. Ok. Je vais casser ça avec moi Hélas, ça. Ouais. Pas bon. C'est ça. Mon Zofia. Avec son Zofia. Ils sont déjà sur site, en vérité, les gars. Y'en a un dans le stock. Ok, good. Bientôt. Ils ont pris le contrôle du site. En vrai, tu rentres derrière le comptoir, tu plantes. Ici, là? Non, dans la pièce, okay. En face. Bah, y'a rien, là. Juste au piano, fais gaffe. Voilà, là tu peux rentrer normalement, il y a plus personne. Normalement. À droite, il y a quelqu'un. Coin pute.
là. Nice. Là, tu peux planter. Pas devant la porte. T'as... Derrière, ici là. Et sur bombe si t'as. Là, tu plantes, la plante. Vas-y. Good. Ton pote, il a la cover. Et sur BPA. A toi de voir comment tu veux le jouer du coup. Au pire tu peux le zofier un max hein. Ouais. Wow wow. Là tu changes. Oh oh. T'as pas tes 4 Zofia, tu peux lui balancer à la gueule hein. Ouais je les ai. Attends mais je crois il va. Non non ton pote il tire la ligne. Ok nice. Ok. Nice. J'étais un peu pétrifié dans le sens où je dis bon, si je me lève, je vais prendre une tête. Si je me lève, je vais prendre une tête. Autant non, en vrai, t'as bien joué, mais c'est là qu'on voit que t'es pas encore confiant dans ton gameplay. Ouais, dans le sens où t'étais là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, dans le sens où je me dis ça va, au moins j'étais avec quelqu'un. Donc je me dis bon, il prend un peu ma cover. Vas-y, frère, fais quelque chose. Je vois, il était sur sa Game Boy et tout. Je vais refaire la même que tout à l'heure pour pouvoir tenir le piano. Vas-y. Because it's gonna be good. Genre, tu sais pourquoi je fais les trous aussi haut? Pour éviter que le drone de Twitch y passe. Ah. Putain, c'est là où on voit les pro players quoi. Aïe 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 aïe. En vrai, il manque pas grand chose. Comme dit, juste un peu de connaissance. Bah, ça, c'est l'expérience. En fait, pour t'aider à prendre des décisions. Ouais, grave. C'est ça, c'est l'expérience en fait. Quand t'as jamais eu de cette situation, tu sais pas comment réagir exactement. C'est quand t'as l'habitude, bah voilà, c'est beaucoup plus simple. Bah, t'as des choses qui te paraissent évidentes qui sont pas forcément pour d'autres quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait cette petite vidéo, ça peut inspirer. Bah, ça me fait plaisir, Bibi. Voilà. Et un guest de qualité qui plus est. Arrête, je vais rougir, arrête. Je vais rester là, au calme. Hache morte. Bien joué. Fais gaffe à l'escalier blanc. Ouais, ça arrive, l'escalier, ouais. Je sais pas si ça rentre sur BPA ou pas. Je sais pas du tout quoi y a. Pour l'instant, je suis cigare moi. Avec Ella. J'en ai eu un. Je suis coincé. Ouais. Je suis coincé cocktail. T'as besoin d'aide? Pour l'instant, ça va. Okay. Pour l'instant, je suis tombé gros. Ah, je croyais que t'étais mort, tombé genre. Non, je suis tombé. Je suis tombé dans le trou. Vas-y. Elle va planter hein. Là faut qu'on la joue ensemble. Vas-y, je suis derrière le bar. Je suis en haut, je suis Vas-y, en haut. Vas-y, joue le diffuseur s'il te plaît. Diffuse. Vas-y. Ah. C'est bon. Nice. Un putain de teamplay mon pote. Oh là là, mais tu croyais quoi toi? Excellent. Et c'est là où on voit la confiance. Genre tu t'es fait tirer dessus, t'as pas lâché la bombe. Nickel. Une putain de game ultra difficile à jouer. C'était chaud de night. Ouais, ultra difficile. Ok les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que toi ça t'a plu pour le coup, j'espère que t'en retires des enseignements. Comment tu l'as senti? Là franchement je pense que je suis chaud pour la Pro League. C'est à dire que là même, attends, il y a des Penta qui m'appellent. Ouais, Pengu, ça va ou quoi? Ouais, j'arrive, ouais. Donc c'est bon, c'est signé, bah merci beaucoup à toi Shark. C'est bon, c'est fait. Ah ouais, t'en as tiré quelque chose au moins? Bah, ça t'a servi? Je vais tirer, après peut-être ouais, non bah, franchement honnêtement ça m'a beaucoup servi dans le sens où bah, je compte maintenant améliorer mes déplacements et aussi le choix des opérateurs qui est quelque chose de quand même de critique sur Rainbow Six. Mauvais opérateur, ça dégage. Voilà, c'est ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, pardon. Et vous pouvez surtout me suggérer la prochaine victime dans les commentaires, notre prochain cobaye. J'essaierai de me rapprocher de lui. On verra si on arrive à faire le prochain épisode. Et abonnez-vous c'est très important. Abonnez-vous. Voilà, lâche un petit pouce bleu, tu t'abonnes. Voilà, ok. Ciao tout le monde, bye bye.